Hop là. Il faut que je remette le... Voilà. Ça va revenir. Et je vais cliquer sur jouer. Ah, il faudra que je remette le chat parce que l'imbécile que je suis va plus voir ce que vous m'avez écrit. Alors l'écran noir, c'est normal, hein. Il y a un petit délai de chargement sans rien du tout. Tu es en train de tout déglinguer, tu te saignes, t'es foufou. Voilà. Les bibis. Si elles veulent bien se lancer, on y croit. Ah mince, il faut que je re-règle une horloge, je sais même plus quelle heure il est. Bah non, je suis bête, j'ai l'heure sur mon clavier. Eh, j'ai la chance d'avoir du beau matos et j'oublie que j'ai la chance de pouvoir lire l'heure sur mon clavier. Je suis ridicule. Ah oh, mon dieu! Oui, il est 18h. Oh mon dieu, il est déjà 18h30. Je rends l'antenne à FunFan dans 1h30. Oh, shop! Ah oui, j'ai 50 points! J'ai 50 points! Je vais acheter une texture. La vache, c'est rigolote. Oh merde, Red Orb, s'il est beau, il me plairait. Oh Jupiter! Oh j'aime bien Jupiter! Ah oh, j'aime bien Jupiter! Comment je pourrais faire? Wow! Trop bizarre! Oh stylé! Oh c'est stylé comme ça, j'aime bien! Oh, en pneu. Pff, un œuf Jupiter. Non, c'est ridicule. Ah, un tonneau Jupiter. Ah, elle est pas mal comme ça. En alien? Non, en alien, c'est idiot. Eh, elle est pas mal comme ça, j'aime bien. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Attends, customize. J'ai... Ah bah on va remplacer les textures par défaut, allez hop. Ce sera pas mal. On va se faire un grand prix. Un grand prix de 16, allez on a le temps. On peut se faire des cartes classiques. Oh on fait 50-50. On fait 8 classiques et 8 de la communauté. Ouais elle est belle hein, la Jupiter. Ouais tu penses comme moi. Elle est stylée. Bah ça va devenir la bille par défaut, c'est pas plus mal. Ça va changer du blanc classique. Vous aurez le choix entre l'œil de Sauron là en lézard ou la Jupiter. Dojo, j'adore le dojo. Ah, Eyes of the Storm, vous aimez bien? Ah, c'est toi qui l'as choisi, FunFan. Ah, ça c'est sympa, c'est le petit toboggan aquatique de parc d'attractions. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Cosmic Chaos, allez. 4 de 8 pour les normales. Ouais, vous avez choisi je sais pas quoi. La 12 pour le point. Ouais, la Devil's Chaos. Les premières, elles sont bizarres, les premières. Ah, l'ennemi sont les portes. Elle est vicieuse, celle-là. Elle est vicieuse, celle-là. Twisted Topek. La maison de la douleur, The House of Pain. On va passer sur les cartes de la communauté. Alors là... Là, j'aimerais avoir des pas trop tordus. Non, les dernières créées. Parce qu'on va avoir des... Pour le coup, on va avoir des... Qu'on appelle ça? Des records mondiaux. Hop, on va essayer celle-là. Fast running track. Oui, mais c'est trop rapide, c'est pas drôle. La cool wet fishing. Je prends au pifomètre.
Un rêve. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Oh la vache. Il y a des trucs de fou. Celle-là, elle a l'air d'être pas mal. Non, mais ils sont cinglés. Il y a des taux d'élimination à 99%. C'est pas jouable. Faut arrêter. Ah, oh, il y a des trucs qui sont... Ah, Louloute! C'est rigolo. Les créateurs s'appellent Louloute. Allez, une petite dernière. Oh, bonjour, Nashelman! T'es revenu de tes courses. J'espère que ça s'est bien passé. Allez, on va mettre à l'honneur Louloute. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Point d'exclamation, play! À vous de jouer! Pouic, pouic, chiqui pouic. Voilà, je mets le petit compte à rebours, vous avez une minute pour placer vos billes. Point d'exclamation, play, faites-vous plaisir. Et moi, je bois un coup. Waouh, merci à vous, vous êtes nombreux à jouer. Pardon. Ah, elle va. Ah, oui. Moi, je vais devoir dîner. Bonne journée à tous. Bon dîner à toi, Erika. Heureusement que tu l'as souhaité, et Christella, heureusement que tu l'as souhaité à Erika, parce que j'aurais pas vu. Pardon. Bisous tout plein. Merci, Erika. Bon repas à toi. Bonne continuation. Ciao, ciao. Ah. Mais non, franchement, Guardian Room, là, The Curious Heritage. Le jeu me fait une très bonne impression. Et je pensais pas accrocher autant, vous voyez, pour un premier épisode. Mais encore merci Christella. Hein. Le coup de la cave. Waouh! Qui c'est qu'on va suivre? On est presque le nombre idéal, c'est-à-dire. Mince, c'est-à-dire. C'est-à-dire. 10. Oh! Ah oui, il faut regarder par là-bas. Ah, c'est bien, là on peut papoter. Là, je prends le temps de vous lire. Là, on peut bavarder. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Donc, prévision d'organisation d'agenda. Donc, tout à l'heure, à. Je sais plus, je suis nul. À 20h, oui. À 20h, on va basculer chez FunFan. Où il va faire du Deus Ex, mais en vocale ouverte. Il fera le Deus Ex de la PlayStation, pas la version PC. C'est intéressant à voir les différences. Voilà, donc soirée pédard pépouze. Je ne vous cacherai pas que moi, en même temps, je suis en train de faire mumu sur mon Minecraft tout en suivant le direct de FunFan. Honnêtement, je ne sais pas si je participerai à la vocale. Ça dépend. S'il y a du monde, je me mettrai en retrait parce que je reposerai ma voix. On verra, c'est accessoire, anecdotique. Demain matin, entre 9h et 10h, je prendrai mon antenne et je ferai sur PS3 la suite de Final Fantasy, où je suis enfin sorti du satané boss du patriarche. Dommage, Dachevman, t'es mort. On peut le dire, les boules. Ah bah moi aussi, on fait la paire. Final Fantasy 13 demain. Où là ça va bouger, et puis dans l'après-midi j'enchaînerai sur du Minecraft, mais pas que, parce que demain j'ai un gros temps d'antenne. Je retrouverai FunFan qu'en soirée, non, en journée. Ben non, on fait Gauntlet. Non, ce sera en journée, Gauntlet. Donc le matin je fais Final Fantasy, je ferai peut-être un petit truc entre, après demain, enfin après dimanche, donc demain. On se trouvera à faire le Gauntlet à 4 avec Edge et Nine Frobose, FunFan et moi-même. Ça va être génial. Et l'après-midi, Minecraft. La fin de journée, ce sera du Minecraft, Minecraft, Minecraft. Et puis le tableau mystère vers les 20h. Voilà pour le programme du week-end. Le nombre idéal, c'est 11, dit FunFan. Hey, GG, tu une scène, tu remportes la première course. Tu une scène, le point Christella complète le podium. Mais le record local de Dragon Sky n'est pas battu. Suivi d'Aeroster 4e et les autres ont chu, c'est-à-dire AJ, Nashevman et moi-même.
Allez, zoo, carte suivante. Device care. Vous pouvez placer votre bibi. Point d'exclamation play. Bon, bah ma chance est toujours présente, oui. Mon pauvre Nash. Ah là 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 là. Allez, zoo, je mets le. Le compte à rebours. Vous avez 1 minute pour placer votre bibi. Alors, que je vous lise. Oui, c'est bien, ouais. Place au bibi. Je m'assure que j'ai pas mis un vent à qui que ce soit. Ça, c'est ma plus grosse crainte sur la chaîne. Et ça m'est déjà arrivé. C'est de ne pas lire une ligne et de vous mettre un vent sans que je le veuille, bien évidemment. C'est purement accidentel. Ah, c'est ma presque phobie quand je suis diffuseur. Surtout que j'ai les outils pour que normalement ça n'arrive pas. Ah là 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 là. Mais d'ailleurs, si ça devait arriver que je m'en rends compte, parce qu'il m'arrive quand même de me relire parfois quand j'ai le temps de remater mes directs pour faire des clips ou voir s'il y a un truc qui s'est mal ou bien passé, si j'en prends conscience, évidemment, je prendrai soin de vous répondre et de vous contacter spontanément en privé dans les jours qui suivent. Allez hop, on suit une scène. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que vous avez changé la couleur de vos bibis? Donc il a pris la couleur par défaut, une scène. Il a pris la Jupiter. Il n'y a personne qui a pris l'œil de Sauron? Ah si! Nashevman apparemment a pris l'œil de Sauron. Le point à l'œil. Voilà, on le voit. Ah. Alors le record local, c'est par la seconde bille de Funfan qui s'appelle El Chitofan. Ah merde, Babi a été éliminé. Oh Christella, t'as aussi été éjecté hors parcours. Oh là là, navré. Ah oh, LG Club, Funfan et Roster. Oh merde, il reste plus qu'un podium. Il reste plus qu'un podium potentiel. Oh la violence. Ah oui, Devil Chaos, ça porte bien son nom. Oh la carte de la violence. T'es bien parti, Tunsen. Ouh là là, encore que le point serait devant. Ah bah le point est mort. Il reste plus que Twinsen et Nash en course. La violence. Oui, j'ai rien touché, lui dit Nash. Bah ça a été attribué par défaut, la texture alors. Il y a un jeu de dés en fait au départ. Jupiter. Fun fan. Oh mon dieu. Hein? Ah, j'ai eu peur, je me dis, mais pourquoi elle part sur le côté la bille? Wow, c'est quoi cette structure? C'est un cratère de lave, c'est quoi ce truc? C'est un météore? C'est original. Je suis pas mécontent du choix de ma musique. Là, c'est posé. C'est sympa. Oh, le tracé de fou! J'ai l'impression que c'est le début, la première partie qui est le plus accidentogène. Et puis après le reste, c'est plutôt de l'endurance, quoi. Oh merde! Ah non, c'est Nashevman qui est passé en trombe. Non, t'es déjà en bas, Nash? Non, déconne pas. Wow, tu vas battre leur corps là. Ça voudrait dire qu'il y a bel et bien des intersections dans le tracé. Voilà, c'est Gerbotron. Là. Ça n'arrête plus la spirale infernale. Non. On est à 20 secondes du record local, El Chitofen. Je sens que Nash va le pulvériser. Ah, il y a... Oh, oui, bien! Oh, la bille de Nash! Record battu par Nashevman en... Ouais, apparemment, t'as fait 3,15, alors qu'avant, c'était 3,20, le record. Bon, bah, c'est bien. Tu bats le record local, Nashevman. C'est bon, j'ai vomi. Mon pauvre. Mon pauvre Twinsen. Bah, si, tu vois, la chance tourne, hein, Nashevman. Ah là là. Attention le point, tu as fait usage d'un excessivement de
d'émoticônes, tu es éjecté une minute. Doucement, parfois avec les émoticônes. Il n'est pas bon de mettre plusieurs fois à la suite la même. C'est vécu comme une agression, doucement. Alors, je sais que j'ai des règles sur le chat assez strictes, pardon. Mais bon, c'est pour éviter le bombardement de trucs qui peuvent être interprétés comme étant agressifs. Donc, finalement, on a que Nashman et Tunsen qui ont rallié l'arrivée avec Nash à la clé et un record local. GG, comme dirait le point. Voilà, Funfan est même sympa en tant que modérateur, il a pris soin de te débannir. Sans même attendre la fin du chrono. Ah là là. Merci à toi, Funfan, pour le point. Victoire par mort de toute l'équipe. Comme d'hab en fait. Oh mon dieu, quelle horreur. Oui, allez-y, placez vos billes. Ah. Ah là 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 là. Pardon. Ah, c'est cool, vous êtes neuf à placer vos billes. Ah, merci à vous de jouer. L'instant est fort agréable. C'est toujours tout ou rien, c'est fou. Oui, c'est pas faux. Là, je te l'accorde, effectivement, Nashaman. C'est le côté. T'as tous les extrêmes. Soit tu te fais éjecter de manière violente et en général dans les premières secondes. Ou alors, ouais, tu es survivant en fait. Tu fais des victoires de survivants. C'est vrai que c'est particulier. C'est comme Carmageddon. On pouvait gagner la course en tuant les adversaires. Alors. Je sais plus si j'ai joué à Carmageddon. J'ai dû le télécharger parce que ça m'avait intrigué que ce jeu soit si polémique au niveau de la sécurité routière et du côté immoral du jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Carmageddon, en fait, vous incarnez un chauffard au volant de sa bagnole et le but est de dégommer les passants, les piétons. C'est très trash comme concept. C'est IIX degrés. Donc à l'époque, ça avait fait polémique. Il y a de quoi. Je crois. Si, j'ai peut-être joué quelques minutes, même pas une heure, mais c'était pour me faire une idée. Mais sans plus. Mais oui, ce jeu a existé. De toute façon, vous pouvez le retrouver assez facilement, le jeu Carmageddon. Si j'ai pas de bêtises, l'icône du héros, c'est un mec avec peint en rouge tout le visage, un excité, là, au volant, avec la rage qui se lit sur son visage. Je crois que vous pouvez le télécharger en abandonware. T'avais bien aimé le 2, nous dit Aeroster. Ah, le 2, j'ai pas dû le faire. J'ai dû me contenter du 1 juste pour voir le principe. Oh merde, j'ai cru voir une bille giclée. Ah non, c'est le. Ah oui, Aeroster, tu es parti dans les cieux. Oula. Oula, tu une scène aussi. Oulala. Ah, le dojo, hein, c'est. Le dojo est pas si. Oh, fan. Et pas si évident que ça. Ah bah t'as perdu tes deux billes, mon pauvre. Il reste en course, Edge, Nash, moi-même, le point et Christella. Ouh. Le record local est détenu par Twinsen en 2-04. Ah, il y a moi qui gicle. Ah bah il n'y a plus qu'un podium. Il y aurait Edge le point et Christella. Oups. Ah non. Au revoir Edge. Ah la violence. Ah là 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 là. Bon bah victoire de le point. Est-ce que Christella. Ah oh, la bille est encore loin. Ouh, t'es encore en zone dangereuse. Oh, attention. Oh, attention, la correctionnelle. Ouh là 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 là. Ah. Le point, seul vainqueur. Façon Nash. Seul survivant. Voilà. Ah, attends, j'ai même pas regardé. Non, t'as pas battu le record chronolocal. Allez, on file à la suivante. Ah là là, le dojo est terrible.
Oh, Ninonette, bonsoir! Oh, c'est cool, comment ça va? Ah, la piscine de toboggan de parc d'attraction. Elle est bien celle-là, j'aime bien. Zebozak, je l'ai choisi. Alors, sur une map, j'ai battu un de tes records. Ah oui, ouais. Mais j'ai pas encore noté les sessions du week-end dernier. Il faut absolument que je les regarde. Quoique non, je suis bête. Le pire, ça s'efface de Twitch au bout de 15 jours. Mais comme j'archive tout sur YouTube, au pire, je pourrais regarder et reprendre les records. J'ai pas encore ouvert la branche dans mon Discord avec les records mondiaux. Tel circuit, tel joueur et tel chrono. Ça viendra de toute façon. Oui, inspirez-vous d'Aeroster. Bel exemple, le fait de faire point d'exclamation play espace une valeur. La valeur à côté de play, vous choisissez votre bille. 1, c'est Jupiter et 2, c'est l'œil de lézard, là, ou œil de Sauron. Coucou, Ninonette. Merde, j'ai pas regardé. Tout le monde a placé sa bille. Ah, on est 9 joueurs, donc. Hop là. Oui, non, c'est trop tard, Ninonette, dommage. Oh, tu t'intégreras à la prochaine, va, t'en fais pas. Allez, Jay Club, allez, hop. On va suivre Jay. Ah, il est beau graphiquement celui-là. Est-ce que tout le monde a pris le même toboggan? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. J'arrive pas à voir où seraient les autres en fait. Et B. Le record est détenu par Twinsen en 1,22 quelque chose. C'est rigolo. Waouh, elle a un mouvement d'inertie, Tabby et Jay. Voilà. Ça a été cassé par le. Alors, Christella première, Elchitofen deuxième. J'ai pas vu si. Ah, je crois que le chrono a été battu. Je crois que t'as battu le record local, Christella. Suivi de Nachelman qui complète le podium. Nous avons ensuite une Twitsen, Fanfan, Le Point, Aeroster, moi-même. Et mon pauvre Jet, tu vas fermer la marche. Ah là 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 là, ça coule de source. Bouss, Bouss est arrivé sur le côté. Yeah, bien joué Christella. Bah oui, bah voilà, ouais. Oui, oula, tu pulvérises leur corps. Twinsen qui reste régulier, qui a chuté au pied du podium 1,22,568, c'était en gros son ancien record. Christella, tu fais 1,15 et 4, enfin 9, 9 centièmes, c'est bon. À mon avis, ton nom va rester longtemps gravé sur le tracé là. GG. Ouais, comme dit Nashman, GG. Oh, Cosmic KO. Allez-y, placez vos bibis. Point d'exclamation play. Ah, cette carte est l'une de tes favorites, Jay. Ah, ok. Je réfléchis si je pourrais pas vous donner des informations. Alors, évidemment, ce week-end, pour moi, c'est plaisir, détente, je diffuse et tout. Mais dans mes moments de relaxation de temps libre en semaine, bon, le soir, en général, je joue à Minecraft, mais pas que. Je vais continuer à préparer des options entre ma chaîne Twitch et le serveur de jeu Minecraft. Actuellement, quand je joue à Minecraft, vous pouvez déjà, depuis le chat de ma chaîne, envoyer des messages dans le serveur de jeu. Donc les joueurs connectés peuvent voir ce que vous souhaitez leur communiquer. Et vous pouvez me mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues en échange de quelques points de chaîne. Vous pouvez me faire apparaître un zombie devant moi, bien équipé, en armure de diamant. Donc ça met du piment à la partie. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, j'ai une option qui me ferait marrer, mais il va falloir prendre du temps pour la programmer.
J'aimerais programmer un événement un peu nuit de l'horreur et que vous ayez la possibilité de faire apparaître une centaine de chauves-souris, mais la centaine de chauves-souris réparties par peut-être par douzaine dans des lieux qui nous seront familiers sur notre carte actuelle. Je suis confiant, je devrais pouvoir programmer ça. De ce que j'ai lu, je devrais en avoir la possibilité. Il va falloir que je crée la macro commande, enfin la petite programmation à faire, pour que ça se fasse. Mais petit à petit, je vais essayer d'apporter de la nouveauté semaine après semaine. Mais ça bouge dans le bon sens. Je suis heureux de garder un dynamisme certain sur ma chaîne. Mince, j'avais pas vu, vous êtes que 6 à avoir placé vos billes. Vous êtes moins nombreux qu'avant. Bon appétit si vous passez à table. C'est vrai qu'on approche de l'heure du miam miam. Ce que je comprends parfaitement. Alors, on a tué une scène. Nash, Christella, moi-même, Aeroster et tu une scène, je crois. La carte aux multiples couleurs vives. Oui, le coup des toboggans là, ouais, les toboggans de parc d'attractions. Ouais, je l'aime bien aussi, elle est belle. Elle est assez sophistiquée, je pense qu'ils ont passé pas mal de temps à la modéliser. Et on a la Guyane en arrière-plan. J'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait gaffe au décor de fond, on va dire. Tellement accaparé à la beauté du premier plan, bien vif, bien chargé en éléments. Le record local est établi par l'ami Elogir en 2,08. Ah, non, c'est pas battu. Le fantôme d'Elogir n'a pas été dépassé. Donc, Nashevman premier. Christella seconde. Tu une scène complète le podium. J'échoue au pied du podium, suivi par Areoster. Et il manque encore le pauvre Edget qui est le dernier. Ah, bah alors, Edget, t'as pas de bol. Tu fermes la marche à chaque fois. Oh, la chance va finir par tourner, c'est obligé. Ouais, non, je confirme, le record local n'est pas battu. Alors, dès que vous voyez l'écran de chargement, vous êtes en droit de faire point d'exclamation play pour placer votre bille pour le tracé suivant. Alors, l'intro est animée ici puisque l'ennemi, ce sont les portes, comme on vous le montre. Elle est particulière, celle-là. Allez-y. Mais ils sont inspirés d'un Pokémon, là. La statue est trop bizarre. La statue est trop bizarre. Ah, Christella a opté pour la texture œil. Allez-y, placez vos bibis si le cœur vous en dit. Point d'exclamation play. Ah là 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 là. Alors, Aeroster nous dit, je crois que j'ai eu aucun point depuis le début. Bah, on le verra, au pire, on le verra dans le récapitulatif à la fin des 16 courses du Grand Prix. On n'est même pas à la moitié là, c'est la sixième course sur 16. Je voulais garder l'exclusivité sur l'œil de Sauron. Sacré Nash. Attends, Christella. J'aimerais bien suivre. Voilà, Christella. Voilà. On a la porte qui s'ouvre. Ah, elle est spéciale, la carte là. Ils ont bossé les animations, les sons. Elle est vraiment spéciale. Et le deuxième Grand Prix tout à l'heure, alors je choisirai le nombre de courses en fonction de l'heure qui sera. J'intégrerai ma. La toute première carte que j'ai conçue avec l'éditeur de tracé. D'ailleurs, je sais même plus qui c'est qui a le record, et mondial et local. Oh, mon pauvre héros! Ta bille a giclé dans le décor, t'es tombé dans les limbes. Même chose pour Nainonette, le même sombre destin. Ouh, Christella, t'as frôlé la correctionnelle une nouvelle fois. Goops. Oh, la mienne a giclé aussi.
Le record local est détenu par Twinsen Twitch en 1,31,734. Enfin, je devrais dire millième. Tiens, tiens, tiens. Oh, le bruit de fou. Ah, le chrono local sera pas battu, mais FunFan remporte la course. Suivi d'EdG Club, comme quoi voilà, la chance tourne. Ah là, ils sont gentils là, avec les pistons ici, ils sont pas d'une violence inouïe. C'est plus des ralentisseurs qu'autre chose. Ah bah Twinsen, t'as perdu la boule. Bon bah bravo FunFan. Voilà, FunFan et Jay et Christella complètent le podium, suivi de peu par Nashevman. Oulala, tu suivais Christella de près, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ouais, le record local est toujours détenu par Twinsen. Point d'exclamation play. Septième course sur 16 du Grand Prix. Oh, il n'y a pas de record local. Ah bon? Les 8 premières courses sont des classiques. On n'a jamais joué celle-là. Oh, ça m'étonne. Le vainqueur de cette course sera obligatoirement victorieux au niveau de la du record local. Le record mondial est par Craterbe en 1,13. Visiblement, ça a été vite expédié. Play and win. Sacré Nine Honnête. 'Karma de Sut. Et bien lâché, man. Oh mon dieu. Ce piano de fou furieux. Enfin, non pas piano, synthétiseur. Ah, suivant, on a une honnête. Oh, j'aime bien la texture bois du départ. C'est beau. Effectivement, cette carte ne me dit absolument rien. C'est pour ça que ça bouge bée en fait. Je découvre avec vous. Nous devons gagner, sinon nous allons rager. Pas mal le slogan. En même temps, tu vois, tu dis ça, mais t'as la poisse. Je voudrais pas dire, mais. Oh! Edgek a été éjecté. Oh là là, Aeroster et Christella. Oh merde, le final est piégé. Le final serait piégé. De la dangerosité de faire du surplace, Nine Honnête. Attention, FunFan a déjà rejoint l'arrivée. Nashevman et moi-même complétant le podium. T'es la dernière bille en piste. Et il faut faire gaffe au mur. Je comprends pourquoi. Wouah, la violence. Ok, si t'es pas dans la trajectoire droite, t'es mort. Oh, c'est vicieux. Ah, un voisin vient de dire que c'est une bonne idée de sortir la perfo. Ah, d'accord, t'as un vacarme d'enfer chez toi, mon pauvre Nash. Ah bah, je te plains. Ouais, elle est violente, la fin, là, ouais. Bah, il y a juste de quoi faire un podium. FunFan, t'inscris ton nom avec un chrono de 1,26. Au niveau local, bravo à toi. Suivi par Nashevman et moi. Je suis navré, vous autres, vous êtes quick. Vous avez valsé dans le décor. Oh la violence!
Ah, ici nous sommes sur un tracé avec le record local détenu par Nashevman en 1:35:339. Placez vos billes, point d'exclamation play. Nous sommes déjà à la mi-course de ce Grand Prix. Huitième tracé sur les 16. Là, on va parcourir le dernier tracé classique. Après, on va découvrir des cartes récentes, fraîchement conçues par la communauté. Ce qui fait que théoriquement, on devrait quasiment avoir 8 records du monde potentiellement à la clé. En plus de records évidemment locaux. C'est intéressant. Point d'exclamation play. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est relaxant de proposer ça quand t'es diffuseur? Ah, oh, je m'en lasse pas. J'en ai presque le regret, je m'en fais le reproche, de pas avoir la spontanéité d'avoir un sujet captivant d'échange, de discussion avec vous pendant qu'on joue aux billes. Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Le premier truc qui me... c'est qu'est-ce que je mange ce soir? Vous voyez, je suis très primaire au niveau de mes besoins, au niveau de mes pensées à ce niveau-là. Hop, on va suivre. Oh, Miss Christella qui se fait patater la bille dès le départ. V'là la violence. Ouah. Mais méfions-nous du jeu de billes. En général, on peut dire que les premiers seront... Enfin, les derniers seront les premiers et vice-versa. La donne peut très vite changer du tout au tout lors des parcours. Oulala, ce tourniquet de la mort qui tue. Alors, Nashevman avait fait une 35. Oh, c'est relativement court alors comme tracé. Et je ne me lasse pas de la texture bois du toboggan. Bois laqué, là, c'est sympa. Ah, dommage. Ah, oh, si, ça va. Tabby a réussi à se faufiler dans l'interstice du tourniquet. Dans les petits trous. Le balai dans la gueule, oui. Ah! Le balai sur le plafond en gueulant un bon coup, ouais. Oh là là. La rixe entre voisins, non! Non, non, non. Oh là là. Alors, ah bah, votre humble serviteur qui remporte la course. En battant le record local, pardon mon pauvre Nash, mais je vais remplacer ton nom. Aïe aïe aïe. C'est la course de la violence pour toi, Christella. Je suis navré, mais ta bille, elle est explosée dans tous les sens. Là, c'est n'importe quoi. Ouch. Ah. Oh, il y en a un deuxième. Deuxième service. Ah ouf. Oh. Attention, comme j'ai rallié l'arrivée depuis un petit bout de temps, il y a le mur d'élimination qui est déjà actif. Attention de ne pas se faire rattraper par la voiture balai, entre guillemets. Sauf que là, c'est un mur balai. Ça va. Non, je pense que tu... Ouais, c'est bon, tu vas rallier l'arrivée, Christella. Mais c'était périlleux. Alors, moi-même, El Chitofun, Nashevman, Ninonet, Funfan, Aeroster, Christella franchissent l'arrivée. Edge Club et... Il est où Edge? Oh mon Dieu! Je croyais que c'était Christella la dernière, mais j'ai mal lu. Non, ça va, c'est bon. Tu fermes la marche, mais t'as le mérite de rallier l'arrivée, Edge. Voilà, on passe de 1:35 à 1:24. Là, je risque de garder le record un petit bout de temps, la maison de la douleur. C'est House of Pain. Bon, on est encore loin du record mondial, hein, en 1:09, alors là, la folie. Ah, là on découvre des cartes nouvelles. Allez-y, point d'exclamation play. Oui, on est tous en vie, c'est vrai. Bien dit, Christella. En battant le record local sans battre les œufs. Quoi, à chaque fois que tu me suis, je finis dernier, c'est louche quand même, dit Edge. Mmh.
Oui, point d'exclamation play alors qu'il reste à peine plus de 10 secondes. Ouais, vous êtes 8 sur la grille de départ. Moi inclus. Demon. Attention! Ah bah on va suivre Christella. Oh c'est bien, 4 billes en Jupiter et 4 autres billes en œil de lézard. Oh c'est du multicolore, c'est stylé. C'est stylé. Ah, Aerostar aurait pris la tête de la course. Oh les fragments. Waouh. Vous pouvez le dire, vous êtes en train d'en voir toutes les couleurs. Oh, la violence des glaçons. C'est beau. Ah, Christella a repris la tête. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, Aerostar? J'ai pas vu la progression de ta bille. T'étais bien en tête, et puis finalement. Ouch. Ah, là, c'est Nashevman qui a repris la tête. Ah, ouais, les murs successifs de glaçons. Ouais. Ça rebat les cartes à chaque fois. Alors, on a une note qui dit à Jack Club, n'oublions pas que le sage est informaticien et c'est lui qui héberge les parties de Marble Street, donc mener une enquête, il faut. Je n'ai rien lu. Ouch. C'est beau. Ah! J'aime bien la célérité et la trajectoire de ta bille, Aerostar. Ça peut bien se finir. Tatatitatitatou. Ah merde, je suis en tête de la course. Que je suis en train de m'apercevoir. Noob noob noob, Candy Fan Fan. Hey, Tabi est troisième, la principale du moins. Hop là, hop là, hop là. Ah, bah t'as réussi à remporter la course avec ta secondaire, Fun Fan. Alors, Elchitofun, Nashevman, Nainonet, c'est le podium. Suivi de Fun Fan, Christella, moi-même, et j'ai pas le temps de lire la suite. Wow. Le record est en 1-11. Comment c'est possible? Le record mondial est en 1-11. C'est pas possible, le mec, il a tracé sur le côté sans jamais être arrêté par des glaçons. C'est... Waouh, il y a un truc là. Oui, donc Christella, moi-même, Edge. Ah, tu fermes la marche, Aerostar, comme quoi. Les derniers seront les premiers et vice-versa. Ouch. Les bibis, oui, rebonsoir, monsieur Popon. Placez vos bibis, c'est la 10e course sur chaise dans ce premier Grand Prix de Fou Furieux. Oh, je crois que nous allons être 10 billes alignées sur le départ. Extraordinaire. C'est le nombre idéal pour jouer. Mon fun fan va encore dire que 11, c'est mieux. Ah là 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 là. Mais allez-y, faites-vous plaisir, point d'exclamation play. Ah, merci à vous de participer, c'est sympa. Je vise la première place générale. Ouais, avec les débuts de Grand Prix. Honnêtement, je devrais déjà tracer le podium final, je pourrais pas dire. Christella, je pense qu'elle était pas mal performante. Encore que non, t'as chuté quelques fois quand même, Christella. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Ah! Je m'attendais à ce qu'on soit 10, on est 7. Tiens. Bon appétit si vous êtes à table. Ça doit être ça. C'est ce que je me dis. Oula. C'est quoi ce départ de. Pourquoi la caméra elle n'est pas cadrée au début? Un petit bug de conception, je pense. Oula, 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 oula. Ça part dans quel sens? Ça part dans le sens là-bas. Christella de Fifi, quoi. Bonjour les gens, non, bonjour les gens, poussez-vous, j'arrive. Oh là là.
Wow. Alors, record du monde en 1,42,3. Original, hein, le tracé. Bon, ça a l'air d'être la mode, les tracés multicolores. Alors, je sais pas comment ça marche au niveau de l'éditeur de circuit. J'avais quelques éléments et je pouvais choisir une couleur uniforme. Là, on a des trucs multicolores. Alors, est-ce que c'est une question de mode? Est-ce qu'il faut acheter avec des points fidélité, comme je viens de changer la texture là de la bille en Jupiter? Est-ce qu'avec des points fidélité, il faut acheter comment dire, des kits, on va dire, des paquets de déverrouiller des textures et des jeux d'éléments de construction de parcours? Je sais pas. Je suis encore en train de découvrir. Oula, tu m'as écrit un pavé. Alors, j'envoie les bêtes à l'attaque. Christella. Envers Poupon. Alors, tu dis Nainonette, je pousse un coup de gueule sur Twitch. Déjà, j'ai du mal à suivre le chat général du Twitch. Mais en plus, avec leur système de reply, manque vraiment de clarté. Je suis totalement perdu dans les conversations. Ah! Sur portable, c'est ça que t'es? Je pousse un coup de gueule Twitch, j'ai du mal à suivre le chat général de Twitch. Nanana, le quartier, j'ai du mal. Ah ouais, bah. Ah! Poupon bat le record mondial! Sur Trostramios Cool When Finish. Le nom de la carte que vous voyez pas, je vous redonne le nom par rapport à mon interface qui cache. Poupon et Roster Nasheman au podium. Moi-même, je chue au pied, suivi de Edge Club, Christella et Nainonette. On passe à la suivante. Bien, Poupon, un record du monde. Excellent. La Bretagne en force. Bien joué. Oula, ça a l'air d'être un très court circuit. Record mondial en 15 secondes. Wow. Allez-y, placez votre bibi, point d'exclamation, play. On va passer plus de temps au départ à placer nos billes qu'à jouer le tracé là. C'est un record mondial en 15 secondes. C'est bonjour, au revoir. Ok. Very fast flow. Ah, tu m'étonnes, le nom du tracé. Ah cool, Théo se joint à nous. Yeah. On est quoi? On est 8 sur le départ. La Chevman qui dit que ce sera la seule victoire. Direction première course, un world record. Ouais, c'est vrai, la classe. C'est vrai. Bonne remarque, Airoster. Poupon, là. La totale. Il met la barre. La folie. Ah bah voilà, on va suivre Lucas. Lucas, bonsoir Lucas, je t'ai pas vu arriver, je t'ai pas salué, pardon. Bonsoir Lucas. Oh, la carte me plaît, elle est jolie. Hein? Ah ouais, c'est super vite expédié. Bah, c'est bizarre. La carte, elle est magnifique, elle est artistique, mais l'arrivée est mise au beau milieu. C'est bon, c'est un style. C'est très particulier. Alors, moi-même, Nachem Van Poupon, on complète le podium. Suivi d'Aeroster, Lucas, Christella et J-Club. Oh, Nainonette et Théo, vous avez pas rallié l'arrivée. Ah, merde. Oh. Eh bien, la violence. Allez-y, point d'exclamation, play. Vous pouvez placer votre bibi. Oula, c'est un tracé flamboyant là. On est dans l'orange et le rouge. Track is on fire. La piste est en feu. Alors, record du monde en 1,16,6. Moi, avec un peu de chance, il va être battu. Eh, vous êtes pas mal à vous aligner sur le départ là. On est déjà 9. À ce que je... 10 même. Oula. À ce que je suis en train de lire. Voilà, vous avez encore 30 secondes pour placer votre bibi. Tu kiffes l'orange, Lucas. Ah bah voilà. Bien. Là, fais-toi plaisir, là. Régale pour les yeux. Pour le coup, ça flash, quoi. C'est waouh. Alors, tac, 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 je crois que j'ai enfoncé la tête du voisin dans son putain de mur.
Ah ouais, c'est... Ok. Ouch. Aïe, aïe, aïe. Dur. C'est quoi le nom de la carte, s'il te plaît? C'est Other Twisted Rare Rêve. C'est une récente, hein. J'ai pioché dans les récentes. On va suivre Fun Fan. Voilà. Hauser, c'est le nom du mec. Twisted Rare Rêve. Au pire, si tu veux la voir en toutes lettres, il faudra regarder la rediffusion au moment où je choisis les courses, les tracés pour le Grand Prix. Tu auras le nom en clair. Tu verras la liste dans l'ordre de ce qu'on a fait. Mais c'est celle-là. Alors, Nacheman qui nous dit ce guignol avait toute la journée, mais non à 19h. Ouais, bah ouais. Oui, c'est pas très malin. Oui, ça t'aurait bien arrangé qu'il fasse ça pendant que t'étais parti en course, c'est sûr. Mais pas de bol. Ah là là. Mon dernier skin n'est pas ouf, je suis déçu. Ah ouais. Bah là, donc, figure-toi que tout à l'heure, j'ai acheté les bibis texture planète Jupiter, notre géante gazeuse. Tiens, en parlant de géante gazeuse, alors je sais pas si c'est une tellurique ou si c'est une gazeuse, mais il y a une nouvelle exoplanète qui a été découverte. Alors une exoplanète, c'est une planète qui est en dehors de notre système solaire, en dehors de la mission Artemis, là, avec la fusée lunaire qui est en cours. C'est impressionnant, la planète serait 6 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Donc la planète, elle serait monstrueuse. Je présumerais que ce soit une gazeuse. Parce que si c'est une tellurique, c'est-à-dire une dure en dur, la planète, elle serait monstrueuse en taille. Enfin bref. Ah bah, GG Lucas, t'as emporté la course. Lucas, 900 G Club. Ah bah tiens, ma bille est la dernière. Alors, il n'y a pas eu de record mondial. Le 1-16-6, c'est pas tombé. Mais Lucas, 900 G Club, podium. Bravo. Suivi de Fun Fan, Aeroster, Nacheman, Poupon, Christella, Elchitofun. Et moi, je ferme la marche. Ah oui, je me suis traîné, j'ai mis plus de 2 minutes. Oups. Ouais, GG Lucas, tu es premier. Alors, non, pas spécialement. En journée, je comprends parfaitement. Mais là, c'est trop tard et ça m'énerve. Ouais. Alors, point d'exclamation, play. N'hésitez pas à placer votre bébé pour vous faire plaisir. Bonjour, oula, le pseudo. Alors, j'ai un truc en fond noir et le pseudo est en mauve, je vois rien. Bonjour et bienvenue. 86 of Lee. C'est de Camogic. Ophélie. Est-ce que j'ai le droit de dire Ophélie? Oui, Ophélie, pardon. Ophélie, c'est, je sais plus, je crois, c'est comme ça qu'on appelait Ophélie Winter, la chanteuse des années 90-2000. Attendez, j'ai mis les noms. Oui, voilà. Ophélie, Ophélie. Bah, bonjour et bienvenue. Enchanté. Merci pour l'acte de fidélité. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est nickel comme ça que l'on m'appelle. Ok. Pas Merci de tout soucis. plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, bienvenue. Ah bah on va suivre Ophélie. Bienvenue, bienvenue. Oh, j'aime beaucoup l'avatar. Excellent, le chat à lunettes avec les cocktails en main. Enfin, en pâte. La classe Luminou. Oh, pardon. Ne pas détacher mon propos hors contexte. Excusez-moi. Mais non, mais il est beau le félin. Le félin de salon, la classe mode estival, vacancier, là, j'adore. Ah, il est trop bien cet avatar. Trop trop bien. Attendez, c'est quoi ce parcours de fou là? C'est les nouvelles cartes? J'ai pas tout compris. Il y a un vert serpent. Waouh. Bref. Record mondial en 1,09. Ah, ce serait vite expédié alors. Oula, il y a le. J'ai envie de dire, il y a le bidet qui a le coude tuyau qui est bouché là. Faut mettre du desktop dedans là.
pour faire fondre la soude. Ah, le record mondial sera pas battu. On est déjà au-delà du chrono. Le tigre miniature. Oui, pas mal vu, Ninonet. Le tigon miniature en avatar. Poupon qui revendique avoir un chat. Excellent. Alors, Dashelman, Poupon, Lucas complète le podium. Bravo à vous. Suivi de Ninonet, Ophélie, 5e. Moi-même, 6e. Suivi d'Aeroster. Il y a Fun Fan qui vient d'arriver. Et Christella fermerait la marche. Yeah, ça va. Personne n'est mort. Et B. Ouais, non, le record mondial n'a pas été battu. On file sur le 14e tracé sur 16 de ce Grand Prix. Il faut que je surveille l'heure, il faut que je fasse gaffe. Oh, le ciel, on se croirait. J'allais dire, on se croirait dans un épisode des Teletubbies. Enfin, il y a un côté. Oui, vous savez, il y a un côté nuage, dessin animé. Un côté très enfantin, très naïf dans le tracé. Voilà, du coup ça va complètement couper la chic. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis laissé bluffer par le décor de fond. Il me faut une interface de plus. Voilà, que je vois à peu près l'heure. Oui, il est 19h23. Oui, le prochain Grand Prix va être Rikiki. Parce que je suis censé basculer, je le rappelle, à 20h chez FanFan. Mais c'est pas grave, alors, évidemment là on continue paisiblement le Grand Prix. Alors, pardon, qui c'est qui m'interpelle, FanFan? Ne t'inquiète pas si tu dépasses un peu, c'est pas dramatique. Bah, je vais faire en sorte d'être, voilà, d'être dans les clous, comme on dit. Ah, alors que Pompon pêche, mais c'est loupé, dommage. Ah là 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 là. Ah mince, attendez, les... Oula! Pourquoi je vois pas les noms? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mince, oula. C'est rigolo le visage. Bah tiens, on va suivre Ninonet. Oh, c'est du multicolore. Waouh, faut pas être épileptique. Enfin, encore que ça clignote pas, mais... Quoique... Ouch. Waouh, ça nous en met plein les mirettes. Qu'est-ce que c'est que ce départ de ma boule? Ah, je dézoome un peu. Ouch. Alors, El Chito Fun serait la bille en tête. Attendez voir que... Ah, voilà. Alors, record... Oh, record mondial en 2.22, presque 2.23, on peut le dire. Oui, il faut pas être daltonien, exact, Tachelman. 2.22, le parcours est un peu long, apparemment, c'est bien. Là, on est sur les tracés dits de Louloute. Swirly Timeless Surprise. Voilà pour le nom du tracé. Alors j'étais surpris, mais ça évite justement les dérapages et les termes grossiers ou des trucs codés. Quand vous créez, que vous éditez, vous publiez un tracé via l'éditeur de niveau. Pour nommer votre piste, alors évidemment c'est préfixé par votre pseudo, votre nom Twitch. Et ensuite vous avez le choix de piocher dans une liste trois mots. Vous choisissez les trois mots dans la liste pour que ce soit le nom complet de votre tracé. Alors j'ai pas compté, mais il doit y avoir 150 mots à choisir. Évidemment que des termes en anglais. Mais wow, c'est sympa, c'est bien pensé comme mécanisme. Oh, Ninonet serait bien parti pour remporter la course? Non, non. Attendez, oh, bah non, on n'a pas fini là. On est à 1,50 et le record mondial est à 2,22. Il y a encore un peu de route là. Mais et dans quel sens vous mettez la caméra? Ça part dans tous les sens. Vous, Dudu. Eh, Ninonet, tu serais bien parti pour remporter la course, là. Si j'ai bien décrypté et compris le tracé. Ça sent bon pour toi, Ninonet. L'ami Ninonet avec qui j'ai eu le plaisir de faire une bonne marche hier. Et qu'on commencera à vous présenter. Parce que je dois avoir, j'ai pas vérifié, mais je dois avoir 6 heures de vidéo. Alors que souvenez-vous, la fois précédente, j'avais eu 4h30 de vidéo. Là, j'ai appris de mes erreurs. On vous présentera le week-end prochain, ne serait-ce que la première moitié de notre périple le long de la rivière, la Meurthe. Alors, Ninonet, Christella, Nashelman font le podium, bravo. Oh, Ophélie, dommage, tu as chu au pied du podium, tu es à la 4e place. Suivi de Poupon, El Chitofan, Aeroster, EG Club...
Moi-même, Lucas, et ta bi principale fun fan a giclé dans le décor. Je sais pas comment tu as fait tant d'affaires. Et il n'y a pas de record mondial qui soit tombé. Mais, Nainonette, tu inscris le record local. On file à la course suivante, qui est l'avant-dernière de ce Grand Prix. Je vais recommencer à faire mon De Gaulle. Je vous jure, Grand Prix. Non, là, je l'ai mal fait. C'est pas grave. Allez-y, point d'exclamation, play. Placez votre bibi. Je deviens fou. Les bibis, le jeu qui vous fait perdre la boule. Eh, cette mélodie, on dirait une mélodie d'attente, énigme, jeu d'intellect, là. Elle me dit quelque chose, cette mélodie. Bref. Ah! Oh! On est 11 billes sur le départ. Waouh! Je crois que c'est un record ici sur la chaîne d'avoir autant de billes. Oh, merci tout plein de jouer! Alors, moi, mes mecs, Jane, Honnête, Lucas, Funfan, Ophélie, Nachemane, Roster, El Chitofan, Christella, Poupon sur le départ. Oh, le pieu! Oh, c'est cool! Là, il nous reste encore une bonne demi-heure de jeu. On va pas se gêner. Quoi, Nachemane? Je la vois bien dans le maillon faible. Ah oui, la musique, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai vu quelques numéros du jeu présenté par Laurence Boccolini. Oh mince, j'ai pas mis les. Ah bah, on va suivre à nouveau Ophélie. Attendez, c'est dans quel sens la course là? Oula! Alors, le record du monde par un certain Ketjen en 2,32, ta bille est figée, Ophélie. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut pas rester planté là! Il n'y a pas de. Oh! Quelque chose émane de ta bille. C'est beau. C'est moche. Je suis désolé, Ophélie. Là, je vais devoir suivre une autre bille parce que c'est de la non-action, ça fait peur. On va suivre Monsieur Poupon. Ah, je suis navré, Ophélie. La malédiction de la bille. Ah, elle est timide, oui, tu m'étonnes. Elle s'est engluée sur le picot, là, c'est trop étrange. Oula, il y a la lessiveuse maintenant c'est pour Monsieur Poupon. Ouch. Oula. Où c'est Gerbotron? Où ça devient Gerbotron? Waouh. Et attention, mais c'est un coup à se faire éjecter, ça. Eh, c'est vachement dangereux. Je crois qu'on a frôlé la correctionnelle une fois de plus. Oh Lucas, je vois que tu pars dans les limbes. Tu vas à la plage là, mais c'est pas cool. Désolé. Wow, qu'est-ce que c'est que la suite du parcours? Ah, d'accord. Oui, oh, hey, Nainonette, t'es encore bien parti pour tracer ta route là. Oh, j'aime bien les éléments en gouttière. Oh, c'est original ça. J'avais encore jamais vu le truc à l'intersection qui choisit pour nous où aller. Tiens, c'est élément. C'est intéressant comme élément de construction. Papa-la-pa-pa-pa-pam. Ah. Il y a eu des glaçons. Ah, oh, j'aime pas. Alors celui-là, je le redoute. J'ai jamais de bol dans les boules à loto là, les boules à loterie. Oh! Ça m'a toujours porté préjudice. Je ne m'y ferai jamais. Je redoute toujours l'élément là. Je devrais l'avoir dans mes pièces déverrouillées pour construire les niveaux. Je sais même pas si honnêtement un jour j'en ferai usage. GG, Monsieur Poupon. La Bretagne encore en force. Vous doudou. Alors, Ophélie, est-ce qu'on peut. Eh non, eh, je suis désolé, mais Ophélie, tu vas te faire aspirer par le mur. Ah bah voilà. Le mur de la violence. Navré. Ah. Alors qu'on suit Edge qui est dans la. Voilà, le fameux élément que je. Qui me fait flipper. D'ailleurs, tu me donnes le sentiment que ta bille est en mauvaise posture, mon pauvre Jay. Alors, Poupon est vainqueur. Je le suis et le podium complété par Nainonette.
Ensuite, quatrième, Nashevman, puis Funfan, puis Cristela et Aeroster. Et la seconde bille de Funfan et le Chitofun ont rallié l'arrivée. Donc, il n'y a plus de doute, le retard des TRC est Jay. Ah, t'as une chance de rallier l'arrivée, mais tout n'est pas encore joué. Oh bien, ouf! Voilà. Ah, je reconnais que c'est un soulagement qu'on voit sa bille arriver. Non, il n'y a pas, non, pas de record mondial de battu, dommage. On passe, ouais, à Challenge Heroes, la dernière carte de ce Grand Prix. La 16e et magnifique dernière course. Ouais, il est beau le soleil. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est tellement beau que je vais, hop, je vais remettre le. C'est classe. Pour une fois, je mets pas le tableau interface. Tellement que c'est joli. Ah oui, la flamme, tu dis, Ophélie. Ouais. Je demande un test antidopage, dit Shellman. Je me fais courser par un panda roux. Ah non. Ah, c'est écrit, je triche, oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. C'est normal, t'es mono. Ah, c'est bien, l'ambiance est bonne. Alors attendez, du coup je sais plus. Ah oui, dans 15 secondes. Ah merde, j'ai pas activé les noms. Si, je les avais activés. Ah non, mais c'est quoi cette caméra de. Il y a des départs bizarres. J'ai l'impression que certains oublient dans la conception du niveau de placer la caméra de départ. C'est beau le fond, mais. Là, le parcours, il est où? Ah, il est comme ça. Ok. Oh, j'aime bien les départs comme ça. Waouh, celui-là, il est bizarre. Ah. Original. Wow, et les couleurs me plaisent. Le tracé en cuivré et les tuyaux en rouge. Oh Christella! Je suis navré, mais ta bille s'est faite éjecter. Alors là, j'ai pas compris comment. Alors qu'on suit Nashevman. Alors le record mondial en 2,31 par un certain Wolf5. Comment t'as fait ton affaire, Christella? C'est bizarre. Pourquoi ta bille, elle a été éjectée? Ah, j'ai pas compris. Ouch. Oh, la bille, elle chitophone qui est mal barrée, là. Oh là là, il y a le plateau au glaçon. Ça rebat les cartes. Ah, c'est pas pour nous. C'est une autre trajectoire, le plateau à glaçon. Elle est bizarre, cette carte. Ah, fan. Maman Christella surprise ses enfants. Aïe aïe aïe. Et la musique est sympa. J'aime bien la musique. Je la découvre avec vous. Alors attendez. Oui, on est encore à 30 secondes du record mondial, donc ça peut jouer encore. C'est pas comme si ma bille était en tête. Aïe aïe aïe. Attendez, mais c'est quoi ce conglomérat de billes là? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouch. Ah. J'ai battu le record mondial, je viens de le voir à l'instant. Je remporte haut la main cette dernière course. Bon, ça fait plaisir, je ne vous le cacherai pas. Ouais, j'ai inscrit mon nom dans un tracé. Trop cool. Lâchez les bibilles. Oula. Oui, merci pour le record mondial. Bah, c'est des cartes récentes, fraîches, donc la probabilité de battre le record mondial est relativement élevée. Mais ça fait plaisir quand ça tombe.
Merci, merci. Alors, moi-même, Lucas Funfan pour le podium, suivi d'Airster. Voilà. Merci, merci. Ouais, c'était 2,31 avant. Et là, en 2,26,5, je vais peut-être le garder quelques jours, mon record, avec un peu de chance. Oui, alors, pardon. Aerostar, après le podium, il y a Aerostar, Ophélie, Nacheman, NJ et Poupon. Éjecté. Ah, El Chitofen aussi, et Christella. Mais franchement, Christella, j'ai pas compris. Alors, le podium du Grand Prix de 16 courses, la version la plus longue possible. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a peut-être Poupon, comme Poupon est arrivé en deuxième partie et qu'il en a remporté une haut la main. Peut-être qu'il est sur le podium. La preuve, Poupon, troisième. Honnêtement, je sais pas. Vous êtes pas mal de participants, je sais pas qui sont les autres, on va voir. Bah, moi. Excusez-moi. Et premier, Nacheman. Hey, tu vois Nacheman? La classe. Nickel. T'es vainqueur. Bonsoir Delta64 et bienvenue. Oula, merci pour l'acte de fidélité d'entrée de jeu. C'est si spontané. Merci, merci. Eh ben. Alors, oh, Félix, je suis navré. Au filet, t'as aucun point et Théo aussi, pas de point. Ah, pas de bol. Alors là, je suis désolé. Goops. Surtout Ophélie, 4 courses, 0 points, c'est cruel quand même. Dur. Ah, je vais faire un deuxième Grand Prix, plus petit, parce qu'il me reste 20 minutes d'antenne, mais... Alors, attendez. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Alors, attendez, je réfléchis. 20 minutes, 20 minutes... Ouais, on va se faire 6 petites courses en 20 minutes. Les mieux cotés. Bah, on va se mettre la mienne. Alors, je choisis. Je fais mon vilain. Je vous permets pas de voter. Je m'autorise le luxe en tant que diffuseur de choisir les courses. Les mieux cotés cette fois-ci. Pas les plus récentes. Les mieux cotés. Léon Cité. Ta terre, oula. Pas des punitives. Ce serait cool que je vous en mette des pas punitives. Voilà. On va se contenter de ça. Allez hop. Et je pense qu'à 20h, voilà, on va. Wow, je suis agréablement surpris. On est 16 spectateurs ce soir. Merci tout plein à vous d'être là. Là, je suis en train de battre mes records là, d'audience. Il y a des week-ends comme ça. C'est la magie de Twitch. L'essentiel, c'est de passer un bon moment ensemble. C'est cool, cool, cool. Alors. Oui, donc. Placez vos billes. Hein, point d'exclamation play, pardon. Mince, j'ai cliqué sur Windows ou cliqué sur Alt pour avoir les. N'importe quoi. Alors, Neinonet, Nacheman, Poupon et Roster Twinsen, Funfan, Delta, El Chito, Fun sur la grille de départ. Il vous reste 30 secondes pour placer votre billet. Allez-y, point d'exclamation play. Nous rejoint Christella. Ophélie. Ouais, cool, merci. On est 12 là. 12, 12, 12. N'hésitez pas. Je permets d'en faire que 4 pour l'énergie. Bonne chance tout le monde, dit Funfan. Très classe. Oui, merci, ouais. Bonne chance et faites-vous plaisir. Oh, Tensa Libre a le record mondial. Énorme. Tensa Libre a le record mondial. Alors Tensa, on va suivre Lucas là. Tensa qui a la gentillesse de me guider. Bah, il me guidera sûrement demain matin sur Final Fantasy. Eh ben, record mondial détenu par Tensa. Bah oui, je suis bête, c'est ma course. J'avais oublié que j'avais choisi ma propre course. Que je suis un idiot. Oui, Tensa, le record mondial sur ma carte. Ah bah, ça fait plaisir. Oui, puis en plus, c'est rouge. Ma couleur favorite, le truc bien blanc, hein. Bien flashy. Oui, Tensa qui me guidera probablement demain matin sur Final Fantasy XIII. Que j'aurai le plaisir de faire sur PlayStation 3. Un de ces jours, je sens que je vais dire Final Fantasy 3 sur PlayStation 13.
Je sens que ça va m'arriver. J'en serai parfaitement capable. Bref, ça a peu d'importance. 19h41 pour info. Oui, merci, monsieur Poupon. Oui. Là, j'ai refait mon interface sur l'écran secondaire. J'arrive à suivre le chat et j'ai mes données de stats. Mais merci. Alors, en tête. Ophélie! Oui! Ah, alors je pense pas que t'aies battu le record local et mondial. Mais c'est bien, t'as gagné la course, Ophélie. GG à toi. Tunsen et Delta font le podium. Nous avons ensuite quatrième Poupon. Ah, je suis content que t'en gagnes une quand même, Ophélie. Tu vois, la chance tourne. Avec un peu de chance, ça va peut-être bon le Grand Prix là de cette petite course. C'est cool. Donc, au pied du podium, Poupon, Neynonette, Aerostar, Christella, Lucas, Nashedman, Folfan, moi-même et Elstofan. Allez, on va sur Cool Groovy Stream. Oh les noms. Ah là 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 là. Oh, Captain TV, mais c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Point d'exclamation play. Allez-y pour rejoindre la concourse. Alors, record mondial en 1,05 par une certaine Tats Girl 9285. C'est pas une chanson de Madonna, ça? Tats Girl, ou Tats Girl, Las Bonita, ta 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 ta, ou Tats Girl, ta 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 ta. J'ai peut-être tout faux, hein, je sais plus, de mémoire, je chante. Une effusion de l'esprit. Ouais, ça me revient comme ça. Alors, nous sommes 12 sur les lignes de départ. Oh, le suspense insoutenable. Tu ne sais pas, Ophélie. Ah, mince, mais merci d'avoir essayé de m'aider. Quoi, un HM qui dit facepalm un creeper sur Poupon. Oh non, c'est horrible. Et c'est quoi? C'est un poulpe là au loin dans le décor? Ah oui. Oh mon Dieu. Je ne sais plus ce que je vois. Oh non, c'est quelqu'un. Je crois que c'était un poulpe, moi, avec les tentacules. Mais non, c'est la langue de quelqu'un avec les dents. Oh mon Dieu. Oh là là, ce goût. On va suivre Poupon. Je ne sais plus ce que je vois. Ah, par Message de contre, FunFan 1992, une tasse légale, un mug pour moi, je trouve. Quelle bête. Là, oh, c'est texture lave ici. Un peu magma. A2. Original. Vraiment original. Je sais pas comment ils font leurs éléments personnalisés dans le décor. Il y a vraiment des gens astucieux. Toboggan, ça c'est quoi? Ça accélère? Ah, ça a l'air d'accélérer. Ouais, c'est un accélérateur, les bandes mauves indigo là. C'est beau, mais c'est chaud, ouais, c'est ça. Bien dit. Non, c'est un coup de langue. Costume de chèvre. Oh mon Dieu. Oh! Hé, Ophélie, tu remportes la deuxième course suivie d'Aerostar et Christella. Ensuite, Elchitofun, Funfun, Delta, Nashelman, Nainonet, Tunsen. Et il manque plus que la bille à Poupon qui ferme la marche. Ah bah non, non, bah non, on est 12 engagés, je dis des bêtises. Il y a Lucas. Vous voyez, je suis pas habitué à ce qu'il y ait plus de 10 joueurs. Pardon. Non, il y avait Lucas et moi qui fermaient la marche. Je me suis moi-même oublié. Tout va bien. Oh, un bel air de piano. Oh, qui a saturé à l'enregistrement. On a eu des grésillements. Oh, Arthur. Ah, c'est le nom du mec qui a fait le nom du créateur qui a fait la carte. Point d'exclamation play, placez vos bébés. On est à la mi-course. C'est le troisième tracé sur 6. Ouais, on va glisser tout doux vers les 20h. On sera dans les temps, FunFan. T'en fais pas. Le temps de vous faire un peu la causette si je finis les bibis avant 20h. Histoire de remercier tout le monde et puis de représenter rapidement l'agenda du week-end.
Ah, hé! Alors, et franchement, je suis enchanté. Merci à vous d'être aussi nombreux. Là, vous êtes 11 à avoir placé vos bibilles. Alors, Nainonette, moi-même, Lucas, Ophélie, Delta, Poupon, Twinsen, Aeroster, Christella, Nasheman, Funfan et Elchitofun. Ou Funfan et ses deux billes. Ça fait 12! Oh là là! Génial! À l'occasion, quand je vais revoir cette rediffusion, en espérant que j'ai le temps, oh, je pense quand même. Enfin, je dis ça, je pense au Twitch comme un idiot, mais j'archive, j'immortalise sous ma chaîne YouTube. Mais j'aurais plaisir à revoir les courses là. J'adore revoir les rediffusions. Décidément, j'ai beau appuyer sur les touches, c'est il faut que ce soit une de tes billes, FunFan. Donc je ne résisterai pas. Il faut que ce soit toi que je suive sur cette course. Record mondial par Sirenigma en 2,21. 2,21,4. On va dire presque 2,21,5 si j'arrondis. Ouais, un tracé relativement long. C'est bien, ça fait durer de plaisir. Troisième course sur 6. Alors attendez que je vous lise dans le chat. Bien essayé comme tu veux. Oui, ok. Bon, je rebois. Et ça donne soif de commenter, hein, je vous le dis. Ouais. Mais la musique qu'on entend, ça fait franchement le mec qui s'est installé à un piano en libre service dans une gare. On entend les gens derrière. Ou alors ambiance piano-bar. Mais c'est sympa, hein, comme performance. Alors, Poupon serait en tête. Oh là là. Ah merde, j'ai pas mis les noms. J'ai oublié de mettre les noms. Malheur à moi. Ça joue à pas grand-chose. Wouah, Funfan, comment t'as doublé Poupon? Dans la deuxième looping. J'ai pas trop compris comment, mais c'était impressionnant. IB. Oh, la suite, c'est quoi? C'est des glaçons ou c'est annoncer les petits taquets Ah ouais, c'est la violence. Oula, 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 cette chicane de fou furieux. Ouch. Est-ce que... Ah, non, non, l'obstacle... Ah non, tu... Non, il y aura... Non, on va pas battre le record mondial. Le chrono est déjà passé, dommage. Dommage. Oui, cache bien son jeu, Monsieur Poupon, notre cher FunFan, ouais. Oh, FunFan qui va inscrire son nom dans le record local. FunFan qui a fait quelque chose comme 2,33, je crois, en chrono. Suivi de Nainonette et de Nashevman pour le podium. Alors, on a Poupon qui vient de rallier l'arrivée. Christella. Ophélie et Aeroster. On suit un petit peu Delta. J'essaierai de suivre Delta la prochaine course qui a vraiment le, j'ai envie de dire, l'avatar du circonstance avec les symboles grecs. Enfin, l'alphabet grec. Donc Ophélie Aeroster, Aeroster 7e, Tunisian 8e, Delta 9e, moi-même 10e. Je sais pas qui est dernier, je sais pas comment on fait pour avoir les dernières billes, puisque je me sers du pavé alpha numérique de 1 à 0 pour avoir les 10 premières billes. Donc à partir de ce moment-là, il faut que je me retourne. Mais je peux devenir libre, je sais plus comment. Ah oui, avec la souris. C'est vrai que j'avais programmé la caméra à la souris, c'était pas idiot mon truc. Voilà. Et pouc, dans le ramequin d'arrivée. Eh, pas mal. Eh, la classe! On peut le dire façon Delta. Tu es l'alpha et l'oméga, FunFan. Bille principale, tu gagnes. Et tu fermes la marche avec ta secondaire. Ah, c'est original. Alors, carte suivante. Adorable Coconuts Adventure. Mais c'est nom de fou. Ouf. Ah, Naino... J'ai dit ça, moi? Nainonette. Ah, plus, monsieur Poupon, t'as reçu un coup de fil de la NASA, ils veulent que je réinstalle Windows sur leur fusée Zoubi. Ah oui!
Voilà, oui, Poupon qui suit avec passion, et je le comprends, la mission, j'allais dire Poséidon, Artemis, la mission fusée lunaire. Ah, il a des étoiles dans les yeux, Monsieur Poupon, et il a bien raison. Bonne soirée, bon app, bisous, à plus tard, Monsieur Poupon. Comment ça, tu ne scènes n'importe quoi? Qui que quoi, j'ai pas suivi. Voilà, plein d'exclamations play, n'hésitez pas à placer votre bille. Oui, alors là, je vais essayer de suivre de tout du long du tracé Delta. On n'a pas braqué la caméra sur Delta. Voilà, on, tac, tac, tac. Oui, normalement, tout est bon. 30 secondes. Point d'exclamation play pour passer votre bibi. Vous êtes 11 à avoir aligné votre bille sur le départ. Nainonet, Fanfan, Ophélie, Nachemman, Théo, Twinsen, El Chitofan, Aeroster, Christella, Delta et moi-même. Tiens, ça fait bizarre que je place ma bille en dernier, moi. Une fois n'est pas coutume. Oui, c'est plus Nai au nez. Ah, oh là. Pardon. Je ne sais plus. Bonne réinstallation des bisous. Oui, bisous tout plein. Alors, Delta, Delta, Delta. Où est Delta? Oh là, ça va trop vite. Delta. Ah! Je veux suivre la bite Delta. Delta, oui! J'ai réussi à focus la caméra sur Delta. Qu'on va suivre de très près. Non, c'est dégueu de trop près. Ça le fait pas. C'est quoi cette texture? Ces textures. Oh, j'ai un moucheron qui me nargue. Ces textures donuts ou brioche aux pépites de chocolat là ou quoi? C'est original. Encore que, c'est pas la première fois que je vois cette texture étrange. Oh, je la choisirais pas pour mes tracés, j'aime pas trop. Ah, des goûts et des couleurs, hein, il en faut pour tout le monde. Ah, Cookie, nous dit Ophélie. Oui, c'est vrai. Bonne remarque, je valide totalement Ophélie, ouais. Texture Cookie, c'est vrai. Tu as mal au nez. Fan fan. Oh, oula, c'est déjà fini. Christella a remporté la course. Alors, il n'y a pas eu le record du monde en 1.02 qui est tombé. Mais du coup, j'ai pas suivi. Alors, pardon, Christella, Neynonet, Twinsen, c'est le podium. Vous êtes arrivé dans un mouchoir de poche. Encore que Christella se distingue d'une seconde. Ensuite, quatrième, Nachevman, Ophélie, Aeroster, El Chitofun, Théo, moi-même, Funfan et Delta, que je suivais, qui malheureusement a fermé la marche. Je finirai par croire que je porte la poisse quand je braque ma caméra sur une bille. C'est bizarre quand même. Avant-dernier tracé de ce petit prix, je ne peux plus dire grand prix, de 6 courses. Ouais, ça tombe bien, voilà, il est moins 5. Le record mondial serait détenu par un certain Gaia Eli en 1 minute 06. Point d'exclamation play, placez votre bibi. Ouh, il a l'air assez fluo. Ou comme tracé. Alors, vous êtes déjà 10, à part moi, bien évidemment. Il y a Nainonet, Funfan, Nachevman, Delta, Twinsen, Roster, Christella, Théo et Ophélie sur la ligne de départ. Ça fait 10 billes. On oscille entre 10 et 12. Bon, Monsieur Poupon est parti. Donc, ouais, peut-être qu'on va rester à 10. Ah non, El Chitofan, la deuxième bille arrive. Voilà, ça fait ton nombre favori en plus. 11 au départ. Ah oui, j'avais oublié la vanne, la citation de Carlos, le chanteur. Pas le terroriste. Hein. Celui-là, on veut l'oublier. Théo. Ah, hé, Théo. Ton avatar, là, c'est la main dans Deus Ex. Bah oui, je suis bête. Je suis un idiot. Je viens de me rappeler que tu fais des performances sur le jeu Deus Ex, premier du nom, en speedrun. Et je te remercie de nous avoir rejoints et d'avoir fait un échange passionnant et passionné avec Funfan, à la fois sur son antenne et la mienne, je sais plus quel week-end, assez récemment. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre d'échange et de discussion. Alors, merci à toi de nous avoir rejoints, Théo. C'est vraiment un grand plaisir. Là, je suis perdu sur la carte. Déjà, c'est fluo flashy. Alors, Funfan serait en tête.
théoriquement. Waouh! C'est quoi les sphères qui bougent là en énorme? Ah, c'est juste de la déco? Ou pas? Si la bille arrive très vite, c'est peut-être pas que de la déco. Bref. Pour le moment, ça aura été inoffensif. Oui, c'était sympa, je suis là depuis un moment. Alors, pardon, au niveau temporel, je sais plus si ça fait peut-être déjà un mois. J'ai du mal à mémoriser au niveau de notion calendrier. Mais ouais, c'est un régal. Alors attendez, Funfan remporte la course, suivi d'Ophélie, Nainonette, ça fait notre podium. Là, quatrième Théo, justement. Cinquième Delta, ensuite Nachev, 26e. On devrait avoir Christella 7e. La seconde bille de Funfan qui n'est pas encore arrivée. Il y a d'abord eu la mienne en 8e position. Aerostar 9e. Twinsen devrait être le 10e. Oui, c'est bon. Et après, je ne comprends plus. On suit Elchitofen, voilà, qui ferme la marche. Ok. Encore? Tu as gagné avec ta bille principale et ta deuxième bille ferme la marche. Encore le coup de l'alpha et oméga, c'est dingue. Le record mondial était loin d'être battu. Entre 1,06 et 1,24, il y a quand même un sacré écart. Ah, et on se lance à 1 minute de 20h à la dernière course. Tu vois, on est nickel. J'ai bien estimé là, tu vois, le délai. Placez vos bibis. Surtout que là, ça a l'air d'être court comme tracé. Record mondial en 1,11. GG de la part de Philippe pour le vainqueur qui est très fair play. C'est apprécié. La classe. Merci, merci. Alors attendez. Voilà, je mets les noms. Placez vos bibis pour cette dernière course de la soirée. Alors, à part moi, au départ, il y a Nainonette, Nachevman, Twinsen, Delta, Aeroster, Christella, Théo, Ophélie. Funfan doit être encore dans l'euphorie de sa victoire puisqu'il arrive en dernier. Voilà, tu as placé ta première bille et tu vas probablement placer la seconde. C'est chose faite. Il reste 20 secondes si éventuellement quelqu'un arrive en trombe pour la dernière course. Je ne veux pas tronquer et avorter le délai de placement de bille, je m'en voudrais. Alors que sonnent les 20 heures. Allez, on va suivre Christella pour la dernière. Wow! C'est encore une piste multicolore. Bah, c'est moi ou j'ai pris la même que tout à l'heure? Alors là, c'est un concours de circonstances. Elle sera à la fois cotée et récente. Ou alors, c'en est une autre qui est similaire. Bah oui, sinon j'aurais un record local si je l'avais déjà fait, ce qui n'est pas le cas. J'ai juste un record mondial d'un Mask of Blades. Eh bien. Oh, on va se quitter sur un peu de guitare. Les cabanes au fond du jardin. Imagine leur mix. J'ai pas l'impression que le record mondial va être battu. Funfan serait en tête. Ou Aeroster. Non, le record mondial sera pas battu. Ah. Ah, Nashevman reprend la tête. Il y a encore des murs à glaçons. Mais c'est pas possible comment ils font pour faire des chronos pareils. Ils ont propulsé leur bille dès le début et la bille est restée sur le côté sans percuter une seule fois les glaçons. J'arrive pas à voir autrement. Ou alors il y a peut-être une technique de slalom où la bille arrive à esquiver astucieusement tous les murs de glaçons. Sinon je comprends pas. Il y a quelque chose qui me dépasse dans le cas de le dire. Dans le Schmilblick. Elle est vraiment stylée ta bille, Ophélie, là, avec l'effet comète. C'est vraiment la classe. Donc j'oserais deviner que t'as beaucoup d'heures de jeu sur les bibis. Oh! Aeroster, la dernière course, Étienne. GG à toi. T'as remporté la dernière course de la soirée, dis donc. Aeroster, Delta et Elchitofen font le podium.
suivi de Nashelman, Nainonel, Théo, Twinsen, et j'ai pas le temps de lire la suite. Bon, là encore, Mondial est pas tombé. Donc Théo 6ème, Twinsen 7ème, Fanfan 8ème, Ophélie 9ème, Christella 10ème. Et ça va, humblement, je ferme la marche, ce qui me convient parfaitement. C'est pas comme si j'avais eu un record du monde tout à l'heure. Alors, eh ouais, GG Airster. Alors Nashelman, j'avoue, comment on fait pour avoir une bille personnalisée? Eh ben, je ne sais pas. Il va falloir poser la question à Ophélie si elle a la gentillesse de répondre. Elle dit oui, il suffit de regarder le nombre de courses. Ah, alors il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Nainonet, 3ème. 2ème, Ophélie. Yeah. Fun fan. Tu remportes le 2ème Grand Prix, la classe. Ah ouais, non, franchement, la bille d'Ophélie qui pète le feu. Alors ça nous fait quoi? Fun fan, Ophélie, Dynet, Aeroster, Delta, Cristalla, Nashelman, Twitzen, Elchitofen, Poupon, Théo, Lucas et moi-même. Oh merde, les 4 derniers, on a 0 points. Poupon, pas de points. Théo, pas de points. Lucas, pas de points. Et moi, pas de points. C'est la violence. Pour une fois qu'il gagne un peu, dit Twinsen. Team Modo en force. Et ouais, en plus. C'est ça. Et B. Yeah, c'est cool. Merci d'avoir joué. Dou, 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 dou. Voilà, leaderboard. Oh mon dieu, on a des noms. Est-ce que j'en connais dans le lot? Non, je connais personne. Ça me dit rien. Et B. Ah, les victoires, les tac, tac, tac. Vas-y voir que j'essaie de te chercher rapidement, Ophélie, du coup. De là, vous pouvez acheter le pass. Oui, oh non, je... Alors là, tu vois, je... Pour ma part, j'irai pas investir de l'argent réel. No found. Ah, il faut taper le pseudo complet. Bleh. C'est dur. Y, 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 Y. Oh là là, c'est super dur. C'est de Camogique. Camogique. Non, tu n'existes pas. Ah si, tu existes, pardon. Tu es 537e, tu as 9000 points, tu as 72 victoires, 525 éliminations, tu as fait 1123 courses. Effectivement, tes stats sont impressionnantes. Mais hé, hey, assez gratuit, c'est pas obligé d'acheter. Ah bon, d'accord. Mais non, mais moi je vais engranger des points parce que j'aime beaucoup les babies. Et je les propose tous les samedis soirs maintenant. Tous les samedis soirs, je fais les babies vers 19h maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vais passer le relais de chaîne à FunFan. Et je voulais dire un truc et je sais plus. Bref, c'était cool, merci. Je vais gagner des points, on va récupérer 5 coins au bout de 15 coins, plein de choses des babies. Attendez, vous récupérez 5 coins, au bout de 15 coins, vous pouvez choisir vos billes. Ah, d'accord, avec Drop Twitch. Oh là, ok. Ouais, c'est quand même une mécanique à mettre en place, mais bon, bref, et puis avoir le. Être fidèle au Schmidbeek. Allez, où je zappe. Et vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan, avec une citation au pif, je sais pas quelle ânerie j'avais encore dit. Nous sommes un duo qui ne font qu'à car nous sommes des demi-portions. Elle est sympa celle-là. Ça va, elle est gentille. J'en ai des plus vaches. Alors. Je vais programmer le relais de chaîne pour l'ami Fun Fan. Où suis-je? Je suis me perds dans mes interfaces. T'as pas pensé au drop. Je vous quitte. Bisous, Christella. Bonne soirée. Merci. Cuisine et miam miam. Bon app. Merci. Bon. Bisous à tes deux fidèles canidés. Bonne fin de soirée, oui merci, bisous tout plein, c'était très gentil d'être resté aussi longtemps, et mazette, t'as passé quasiment toute l'après-midi en ma compagnie, ça fait plaisir, merci tout plein, t'es adorable. Bon bon week-end, oula attention, j'ai un truc qui apparaît sur mon écran principal, c'est n'importe quoi. Oui alors, je vais programmer le relais de chaîne, je vous souhaite une très bonne soirée, merci pour votre accueil, non mais c'est normal, merci. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer différentes choses, merci Ophélie. Bon week-end, bonne occupation, à une prochaine, merci tout plein. Red chez FunFan. Ah, on va se faire du Deus Ex. Ça va enchanter Théo. On va se faire du Deus Ex sur PlayStation. La version PlayStation avec une vocale ouverte. Ça y est, je lance le raid. Je sais pas si t'as lancé ton signal, FunFan. J'ai même pas regardé.
Je ne vois rien du tout. Oui, c'est bien, t'as lancé ton direct. Ok, nickel. Attends, j'arrive, coucou. Remerciements, vite, avant que ça zappe, parce que là, j'ai moins de 90 secondes pour vous remercier. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Il faut que je regarde mon interface pour dire merci à tout le monde. Les événements. Merci Delta64 pour l'acte de fidélité. Merci Ophélie pour l'acte de fidélité à la chaîne. Merci Devil Olive pour le relais de chaîne tout à l'heure. Il y a 3 heures de ça. Merci Vieux Lapin51 qui a suivi la chaîne également tout à l'heure. Punaise, vous êtes nombreux à avoir fait des actes de fidélité sur ma chaîne. Vous êtes adorables. Mélissa Japon m'avait fait un relais de chaîne tout à l'heure avec quelques spectateurs. Elle est adorable, Mélissa. Ouais, c'était en début d'après-midi. M'a suivi également. Ah ouais, c'était ce matin. Alors ce matin, c'était la folie. Il y avait Equinopsy, Vinza, WaTV, Arasai 59, truc de ouf, petit stream qui ont signé ma chaîne, un acte de fidélité. C'est merci tout plein, c'est adorable. Oui, j'ai eu la visite de petit stream. Je connaissais pas. Petit Stream, en fait, c'est un site spécialisé. Si vous voulez regarder rapidement sur Internet, c'est très intéressant. Ils ont un principe, 10 minutes, ils zappent sur une petite chaîne française de Twitch pendant 10 minutes pour voir ce que c'est. Si elle a moins de 5 spectateurs et qu'elle émet depuis 10 minutes, c'est extra. Bonne nuit, bonsoir et bisous. Merci d'avoir joué. Ciao, ciao. Alors attendez, je suis largué, il faut que je clique pas là où il faut. Je vais pas y arriver. Merci les anonymes qui regardent, ou tous ceux qui regardent les rediffusions sur YouTube, etc. Ou tout le bazar. Merci à vous toutes et toutes. J'arrête déjà ma diffusion. Et dans un deuxième temps, il faut que j'arrête mon enregistrement. Que je fasse ça, voilà, dans l'ordre des choses, posément, pour pas faire bugger l'enregistrement, là, ce serait malheureux. Voilà, je ne bouscule pas trop OBS. Bisous tout plein, portez soin de vous. Ça veut rien dire. Prenez soin de vous, voilà, portez-vous bien, si je puis dire. À la prochaine, ciao, merci, bisous. Moi, je reprends l'antenne demain matin.